Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. Au programme, ces jeunes djihadistes français qui sont de plus en plus nombreux à partir se battre en Irak. Mais comment les en empêcher? Le gouvernement a adopté une série de mesures destinées à freiner leur départ ou à lutter contre les filières qui les recrutent. On en débat ce soir avec Rachid Boudjedra. Vous êtes l'un des plus célèbres écrivains algériens. La Répudiation, votre premier roman, est paru en 1969. L'Insolation, publié 3 ans plus tard, vous avez lu une fatwa en 1983. Vous avez été le scénariste de Chroniques des années de Brest, de Mohamed Lakhdaramina, qui a reçu la Palme d'or à Cannes en 1975. Votre nouveau roman s'intitule « Printemps ». Il vient juste de paraître. Il raconte une histoire d'amour entre deux femmes sur fond de printemps arabe. Des printemps arabes qui ne sont pas, pour vous, des révolutions, mais des mouvements de masse, sans but et sans idéal. Dounia Bouzard, vous êtes anthropologue du fait religieux. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur l'islam. Le dernier, c'est « Désamorcer l'islam radical ». Vous venez d'ailleurs de créer le centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. J'ajoute que vous approuvez le plan du gouvernement que vous réclamiez depuis plusieurs années. Marek Alter, vous êtes l'auteur de plusieurs best-sellers mondiaux. La mémoire d'Abraham s'était vendue à plusieurs millions d'exemplaires, ou bien la Bible au féminin en 3 tomes. Là, aujourd'hui, vous publiez Khadija, un roman, le premier tome d'une histoire des femmes de l'islam. Il est consacré à la première d'entre elles, la première épouse du prophète Mahomet. Raphaël Liogier, vous êtes sociologue et philosophe, vous êtes l'auteur du mythe de l'islamisation, un essai sur une obsession collective. Le dernier, c'est ce populisme qui vient, et vous terminez votre prochain essai, La guerre des civilisations n'aura pas lieu, c'est le titre provisoire. Anan Karimi, vous aussi, vous êtes sociologue, porte-parole du collectif Les Femmes dans la Mosquée. Vous êtes également membre d'un autre collectif, Féministe pour l'égalité, qui milite pour l'abrogation de la loi interdisant le voile à l'école, dont vous jugez, 10 ans après, le bilan désastreux. William Bourdon, vous êtes avocat, particulièrement engagé sur le terrain des droits de l'homme. Vous avez défendu notamment les 9 de Tarnac et 2 des 7 Français emprisonnés à Guantanamo pour avoir voulu se battre en Afghanistan. Vous avez participé à l'ouvrage collectif « Au nom du 11 septembre, les démocraties à l'épreuve de l'antiterrorisme ». Et vous venez de publier un petit manuel de désobéissance citoyenne qui défend les lanceurs d'alerte comme Edward Snowden ou Julian Assange. Et tout de suite, l'actualité. L'actualité, ce sont les djihadistes français. C'est comme ça qu'on les appelle dans les médias, contre lesquels le gouvernement a annoncé cette semaine une série de mesures après la libération de nos otages en Syrie. Regardez. Alors, Dounia Bouzard, il paraît qu'il y a 2 ans, vous aviez remis à Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, un certain nombre de préconisations. Est-ce que le gouvernement s'en est inspiré pour son plan de mesures ? Oui, je crois que le gouvernement s'en est inspiré. C'est vrai que moi, j'ai travaillé sur pourquoi les jeunes s'arrêtaient pour écouter ce discours, ce que les médias appellent des djihadistes. Il faut faire attention parce que c'est d'abord un discours qui endoctrine les jeunes en manipulant la religion pour leur faire croire que la fin du monde arrive et que s'ils veulent sauver ceux qu'ils aiment, il faut qu'ils aillent mourir en Syrie, c'est-à-dire sur la terre du chat. Donc c'est toutes les techniques des dérives sectaires qui instrumentalisent, qui sèment la confusion avec la religion et qui amènent des jeunes à partir le matin avec le cartable et à se retrouver là-bas. Arriver là-bas sur Facebook un mois plus tard, on gère les messages. « Maman, je t'aime, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y a pas d'humanitaire ici, je ne crois pas que c'est la fin du monde, je veux rentrer maman, je ne vois que des égorgements, au secours maman. » Donc les mineurs, c'est ça. Je crois qu'il faut faire la différence entre les mineurs et puis les premiers couteaux, comme on appelle ça, d'accord ? Bon, donc ça c'est la première chose. Moi j'avais sonné la sonnette d'alarme parce que les familles venaient me voir quand j'ai écrit « Désamorcer l'islam radical ». J'ai eu une 40aine de familles qui m'ont appelé en me disant « On se retourne vers l'assistante sociale, vers le professeur, notre enfant ne veut plus aller à l'école au nom de l'islam ». Notre enfant ne veut plus fréquenter ses amis au nom de l'islam. Notre enfant nous dit qu'on n'est pas sa vraie famille au nom de l'islam. On sent bien qu'il y a un problème. On sent bien que ce n'est pas une conversion. On sent bien que c'est autre chose. Ça ressemble à un groupe de secte. Et quand on va voir l'assistante sociale, quand on va voir même la police, on nous dit « Ah ben non, madame, votre enfant est devenu musulman, on ne peut rien faire pour vous ». C'est-à-dire que les institutions validées, les représentations négatives sur l'islam, soyons clairs tout de suite, les représentations négatives sur l'islam sont telles que finalement les institutions en étaient un point où ils devenaient laxistes et où ils validaient, comme si c'était le produit de l'islam, des opérations de secte, de radicalisme, de rupture avec des institutions fiables qui enlevaient l'enfant de la socialisation
et qui pensaient que ça, c'était l'islam. Donc c'est vrai que je réclamais depuis longtemps qu'on applique les critères que les psychologues ont déjà établis sur la différence entre religion, relier, accueillir, et dérive sectaire qui vient de suivre et séparer. Et dès que l'effet du discours religieux a pour effet de mettre la personne en complète exclusion sociale, j'estime qu'on est dans un discours radical. Je ne regarde pas islamisme, tout ça, je regarde l'effet du discours. Ça ressource la personne, la religion, ça lui permet d'être mieux dans sa peau, d'être bien avec tout le monde, on est dans le religieux. Liberté de conscience, garantie par la République. Par contre, on est dans un discours qui l'amène à rejeter tous ceux qui ne sont pas comme lui, à vouloir arrêter tout, à se mettre dans une bulle avec des indicateurs clairs de rupture. Là, par contre, on est dans la dérive sectaire, qui sont des critères qu'on a déjà dans nos lois. Donc, j'ai demandé qu'on applique les mêmes critères, y compris quand c'est l'islam. Alors, David Thompson, vous êtes reporter à RFI et vous venez de publier Les Français djihadistes. C'est l'histoire de 18 d'entre eux que vous avez recueillis directement de leur bouche. Vous êtes toujours en contact avec eux, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Est-ce que les mesures gouvernementales vous paraissent satisfaisantes, efficaces, appropriées ? Je pense qu'on peut être tout à fait clair dès le départ. Aucune des mesures qui ont été annoncées dans ce plan n'auront le moindre effet sur le djihad en Syrie. C'est un plan qui sera totalement inopérant pour plusieurs raisons. D'abord parce que le plan cherche à faire appel aux familles et aux imams. Or, c'est justement contre cette autorité que se construit toute l'idéologie djihadiste. Je vois que Dounia fait nom de la tête, mais elle n'a jamais réussi à déradicaliser un seul individu. C'est impossible de déradicaliser un... Ça, commencez pas à partir sur des informations et des procès d'intention comme ça. Non, non. J'ai dit quand je parle, il faut faire la différence entre les mineurs et les majeurs. Bon, les mineurs, c'est 15 personnes sur 500 Français. C'est vraiment une minorité, mais c'est vrai. C'est vrai. Vous savez très bien que c'est pas ce nombre-là, puisque vous êtes en lien avec eux. Oui, je suis en lien avec eux. Et les mineurs, la question du désendoctrinement des mineurs, elle est fondamentale. Et il est fondamental. Moi, je trouve. Alors, si on veut parler du plan. Attendez, parce qu'on reviendra sur le cas des mineurs juste après. Ouais. Laissons finir David Thompson. Mais en tout cas, le gouvernement ne fait pas appel aux imams. Hein. Ça, c'est... Le gouvernement a l'intention de diffuser un autre discours religieux à travers les mosquées. C'est absolument pas ça, le plan du gouvernement. Il n'y a pas vrai. Enfin, bon. C'est absolument pas ça. Non, mais il faut déjà parler de ce que le gouvernement veut faire. Si on veut discuter de ce que le gouvernement veut faire, on ne parle pas d'autre chose, quoi. Bon, si on veut discuter aussi d'un autre volet qui est très important, qui est le volet de lutte contre le cyberdjihad, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose sur lequel on va être d'accord, tout se passe sur Internet et rien ne se passe dans les mosquées françaises, tout se passe contre le discours qui est diffusé dans les mosquées françaises, parce que pour tous les djihadistes, si vous voulez, les mosquées françaises sont par nature mécréantes, parce qu'elles sont liées au Conseil français du culte musulman, qui est une autorité qui est liée à l'État qui applique une autre autorité que celle de Dieu, et qui donc, par nature, là aussi, est mécréant. Donc tous cherche à combattre cette autorité. Donc c'est pas la peine de faire appel à ces imams, à ces familles. C'est déjà un discours anti-djihad qui est diffusé dans toutes les mosquées, au sein des familles également. En revanche, là où le plan va répondre à une attente, c'est qu'aujourd'hui en France, il y avait absolument aucune structure pour accueillir les familles. Et là, Dounia Bouzard, la société civile, avait comblé ce manque, et l'État répond à ça, notamment avec le numéro vert. Ah ouais, vous êtes gentil. Bah oui, je suis gentil. Mais justement, je suis en milieu. et donc, ça c'est vrai. Ensuite, lutter contre le cyberdjihad. Aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est impossible. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, il faudrait savoir si le gouvernement a vraiment l'intention de le faire, ce dont je doute. Même s'il avait l'intention, parce que on sait très bien que aujourd'hui, toutes les affaires de djihad sont déférées en justice avec des preuves qui sont obtenues sur Internet. Donc, c'est une source essentielle de renseignement. Tout repose là-dessus. Et aussi, tout simplement, parce qu'il est impossible de supprimer le cyberdjihad. Le gouvernement nous parle de sites Internet, de forums djihadistes, mais aujourd'hui... Ça, c'est le logiciel d'il y a 5 ans. 5 ans dans l'univers du djihad aujourd'hui, c'est une éternité, c'est un autre siècle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont arrivés. Tous les jeunes Français ont migré ces forums djihadistes vers Facebook, vers Twitter, vers Instagram, vers Askfm. Plus rien ne se passe sur les forums. Alors, on reviendra tout à l'heure.
alors, sur le recrutement par ailleurs. Alors, Julien Suaudeau, votre premier roman, Dawa, vient de paraître. C'est une histoire de vengeance qui remonte à la guerre d'Algérie et qui se poursuit aujourd'hui en France entre un policier chargé de la lutte contre le terrorisme et un professeur d'université d'origine algérienne qui recrute 4 adolescents de banlieue pour commettre un attentat dans le métro parisien. J'ajoute que vous avez publié le 28 mars sur le site du Figaro une tribune intitulée « Dans la tête des djihadistes français en Syrie ». Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de ce plan gouvernemental ? La même chose. Je suis sceptique sur son efficacité à long terme. Je suis sceptique également sur sa compatibilité avec les valeurs de la République, parce qu'il s'agit quand même d'instaurer un contrôle communautaire sur une communauté donnée, la communauté arabo-musulmane. Et de manière plus générale, je dirais que je trouve l'initiative sur un plan géopolitique un petit peu absurde, quand on sait que il s'agit donc d'annoncer un arsenal de mesures antiterroristes contre la radicalisation, tout en, au plan géopolitique, passant des contrats d'armement et des contrats industriels avec les pétromonarchies qui financent cette radicalisation. L'Arabie saoudite, pour ne pas la nommer. Donc, en termes géopolitiques, articulation géopolitique, politique étrangère, politique intérieure, il me semble qu'il y a un hiatus dans la démarche gouvernementale. Après, je voudrais juste dire un mot sur l'ascendance, la généalogie de ce plan. C'est en réalité la version française d'un plan anti-radicalisation qui est sorti du cerveau de chercheurs de King's College à Londres, qui est le vaisseau amiral depuis une dizaine d'années des théories de la contre-insurrection en Angleterre. Donc une émanation de la guerre contre le terrorisme. Donc on est quand même assez clairement dans une perspective néoconservatrice. Ça, c'est un premier paramètre. Deuxième donnée, les plans, les arsenaux anti-radicalisation, c'est pas uniquement le fait de la France aujourd'hui. En Europe, on retrouve des initiatives similaires en Belgique, en Suisse, en Angleterre, aux Pays-Bas, partout en réalité où il y a des candidats au djihad. Mais d'où vient, même au Canada d'ailleurs, d'où vient cette volonté et pourquoi elle vient à jour aujourd'hui plus particulièrement? C'est parce qu'il y a une inquiétude à Washington sur le retour des djihadistes. Qu'est-ce qui se passe quand ces citoyens, qui sont des ressortissants français, belges, suisses, néerlandais ou canadiens de l'autre côté de l'Atlantique, pays qui ont donc des accords d'exemption de visa avec les États-Unis, et donc des gens qui pourraient éventuellement entrer sur le territoire américain. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? L'Amérique regarde cette problématique d'un œil pour le moins inquiet et a fait savoir à l'Union européenne et à ses pays membres qu'il fallait faire le ménage chez elle. Et la dernière chose sur l'ascendance de ce plan, c'est que c'est un plan qui a été annoncé par Bernard Cazeneuve en Conseil des ministres mercredi, mais Manuel Valls, à l'époque où il était lui-même ministre de l'Intérieur, travaillait déjà sur ces problématiques et Nicolas Sarkozy avant lui. Il y a tout un héritage et véritablement un enracinement de cette optique néoconservatrice qui peut être de gauche comme de droite. Elle a même ses entrées à l'Académie française aujourd'hui. Et elle peut être... Alain Finkielkraut, bon, c'est sa perspective. Donc, cette optique néoconservatrice est déterminante aujourd'hui dans le traitement sécuritaire du djihadisme. Alors, Marie Calter ? Non, je crois que... Bon, je connais moins bien le problème djihadiste. J'ai lu vos livres. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. S'il y a à peu près en France, combien ? 6 millions, 7 millions de musulmans. Il s'agit là de 500. 500. Ça veut dire que ce que nous faisons, nous, maintenant, avec les plans, les contre-plans, les débats que nous avons, parce que je vous ai vu à la télévision, certains d'entre vous, ce n'est pas la première fois, nous sommes en train de diaboliser une communauté qui s'appelle les musulmans. Nous avons dédiabolisé les Front National. Hein, on a mis un travail formidable, ça y est, ça veut dire que les Front National sera peut-être le premier parti
en France pour les élections européennes, et nous sommes en train de diaboliser la victime des Front National. 500, même 500 gangsters dans une communauté, ce n'est pas grave. Attendez, une seconde, attendez. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Maintenant, est-ce que les plans de l'extérieur, parce que je sais qu'en France, on n'aime pas parler de communauté. C'est un problème, c'est pour ça que nous ne savons même pas combien il y a des juifs en France, combien il y a des catholiques, parce que c'est interdit, les recensements communautaire est interdit. Bon, donc nous ne savons pas. Nous parlons ce sont des, comme vous avez dit, c'est des fantasmes. Bon. Mais ce qui fait le gouvernement, c'est le maximum qu'il peut faire. Je ne sais pas ce qu'il peut faire beaucoup. En revanche, et là vous avez dit ça une fois, je vous ai vu à la télévision, la véritable bataille contre le djihadisme doit venir de l'intérieur de la communauté musulmane. De l'intérieur. Où sont-ils tous mes amis, tous ceux qui peuvent lancer des fatwas? Ils ont bien lancé un fatwa contre Salman Rushdie, etc. Mettre en dehors de la communauté musulmane ceux qui salissent l'islam. Ceux qui salissent l'islam. Une seconde. C'était votre idée. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi maintenant. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai sorti les statistiques des 40 premières familles qui ont appelé le Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam. Sur les 45 familles qui donc étaient la ligne verte jusqu'à maintenant, qui m'ont appelé moi, j'ai exactement 75% de familles de référence athées, 10% bouddhistes et 10% chrétiennes. C'est important. Je ne parle pas. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des familles musulmanes, c'est ça que vous voulez dire. C'est terminé, Marie Calter, et je vous donne la parole. Il y a des gens qui cherchent un idéal. Mon grand-père est allé combattre en Espagne. Espagne, parce que c'était l'idéal. Aujourd'hui, ces idéaux-là n'existent plus. Quand je suis allé en Afghanistan, j'avais l'impression de refaire les gestes de Hemingway ou Malraux en Espagne. Mais il y a certains qui comparent l'action des djihadistes aujourd'hui justement à la guerre d'Espagne. Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul espoir qu'on donne, une seule aventure qu'on propose. C'est la seule aventure. Est-ce que vous connaissez d'autres aventures où on lit l'expression, la volonté des violences et les spirituels en même temps. Il n'y a pas d'autre. Bon. Donc, qui peut combattre ces mouvements-là? Il y a deux choses. Un, il faut qu'on fasse vite. Nous, c'est notre travail. Vous êtes des intellectuels, vous réfléchissez. Il faut proposer d'autres aventures. Première chose. Parce que ça existe. Il y a un ami qui m'a dit au téléphone l'autre jour une phrase qui va vous faire réfléchir. Il m'a dit, j'ai l'impression que nous n'arrivons toujours pas à entrer dans le 21e siècle. Nous sommes toujours au 20e. D'ailleurs, nos références sont toujours au 20e. On n'est toujours pas au 21e. Donc, premièrement, proposer quelque chose. Deux, il faut que l'islam, s'il y a 5 millions de personnes en France, doit se mobiliser. C'est eux qui doivent faire les barrages. Et enfin, je termine, je vois que vous êtes... on laissera parler les autres. Je termine. J'ai proposé plusieurs fois déjà à différents ministres d'éducation de droite et de gauche, introduire dans les écoles non pas la religion, mais l'histoire des religions. Il est temps qu'on apprenne qui est mon voisin. C'est l'ignorance qui provoque la suspicion, la haine et la violence. Raphaël Liogier et tout le monde, parce que tout le monde veut la parole. Non, moi ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est important, qui a été dit, c'est que c'est vrai, ce phénomène vient aussi de milieux qui ne sont pas musulmans à la base. Ça veut dire qu'on est dans ce que Farhad Khosrokhavar appelait déjà dans les années 90, l'islamisme sans islam, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément influencés par l'islam en termes de doctrine spécifiquement, mais qui s'intéressent à ce côté haut en couleur de l'islamisme, de l'aventure, de la guerre, etc. Et ça, c'est une mise en scène. Il faut bien réaliser que c'est une mise en scène publique auquel participent les médias, mais pas seulement. Je ne mets pas en accusation les médias en tant que tels, comme une entité absolue, mais auquel participent un peu les médias, les politiques populistes que je dénonce dans mon livre, donc le Front National aussi, effectivement, et qui est reçu
qui est reçue par ces jeunes. Parce que moi, ce qui me semble, quand je vous entends et quand j'écoute ce que dit le gouvernement, c'est qu'on s'attaque au phénomène en aval, alors qu'il faudrait s'attaquer au phénomène en amont. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en amont? Je vous donne juste un exemple. Et là, c'est vrai qu'il y a un traitement de l'islam qui est quand même particulier. On emploie l'expression d'islam radical. J'avais un directeur de thèse qui a écrit un livre qui s'intitulait « L'islamisme radical », pas « l'islam radical ». Parce que « radical », c'est un terme noble. « Radical », ça veut dire prendre les choses à la racine. Ce n'est pas forcément des gens qui sont extrémistes. En sociologie des religions, on parle de la différence entre être intégriste et intégraliste. On peut respecter intégralement la religion, notre radical dans sa foi, et en même temps être un cathode de gauche, par exemple, et être très progressiste par ailleurs. Alors, c'est comme si en islam, ce n'était pas possible, donc on dit « islam radical », c'est-à-dire trop d'islam, ça en ferait un poison. Et vous avez la même chose, en sens inverse, hein, en miroir, avec le mot de musulman modéré. Qu'est-ce que ça veut dire, musulman modéré? Ça veut dire que inconsciemment, on se représente l'islam comme étant un poison. Donc si vous en mettez un petit peu, ça va, vous pouvez toujours conduire, c'est bien. Mais s'il y en a trop, ça vous rend malade. Alors moi, je pense que déjà, il faudrait éviter de mettre en face à face musulman modéré, islam radical. Il faut dire, voilà, il y a des individus. Est-ce que vous savez qu'en Arabie Saoudite, les djihadistes sont considérés comme des malades? C'est-à-dire qu'il y a des endroits dans les hôpitaux qui sont réservés à leur traitement. Alors qu'en France, lorsqu'on pense djihadiste, on pense une pathologie de l'islam en tant que telle. Et ça pose un problème, parce que ça rend l'islam désirable en tant qu'islamisme, donc pour des mauvaises raisons, chez certains. Et en même temps, ça nous fait mettre en place des politiques qui ne sont pas ciblées sur le problème tel qu'il existe. Quel est le problème? Si vous permettez, il faut déjà dire ce que le gouvernement veut mettre en place, parce que je pense qu'on a quatre versions différentes. Donc, moi, quand je dis je suis d'accord avec le plan du gouvernement, je parle des actions de prévention et pas du tout des actions de répression. C'est-à-dire que le plan comprend plusieurs actions. Dans la prévention, justement, il s'agit de donner aux familles qui l'ont demandé, puisque ça fait les familles l'ont demandé depuis 6 mois, des interlocuteurs pour que justement elles aient quelqu'un à qui parler pour garder le contact avec leur enfant et désamorcer le début d'autorité. Donc ce ne sont pas des familles d'origine maghrébine, ce ne sont pas des familles de référence musulmane, ce sont des familles dont les enfants ont été endoctrinés comme les autres sectes ont pu endoctriner des enfants à d'autres périodes dans un contexte politique. En même temps, il faut savoir d'où ça vient. Donc, c'est des histoires de famille. Après, oui, c'est un débat au niveau de la dérive sectaire. Un discours sectaire arrive à fonctionner dans un contexte où l'ensemble de la société adhère. Et c'est là que je vous rejoins. C'est-à-dire que la façon de nommer les choses sur l'islam, de toute façon, mène des interactions où ce discours qui dit l'islam, c'est cela, c'est la fin du monde, etc. Eh bien, je suis complètement d'accord avec toutes vos analyses précédentes. Simplement, moi, quand je dis je suis d'accord avec le fait que les familles, maintenant, elles ont des gens qu'elles vont pouvoir appeler et qui vont les écouter, les aiguiller, leur dire non, ça, c'est pas du radicalisme, c'est votre enfant qui a besoin de c'est une conversion. Et c'est pas ça qui va empêcher personne de partir. Non, mais déjà, c'est drôlement important. Ensuite, la deuxième mesure, c'est qu'elle met en place des équipes éducatives dans chaque ville qui vont être formées à la dérive sectaire, on ne parlera jamais d'islam, à la dérive sectaire, au processus d'enlever une identité, d'enlever, de mettre en rupture, etc. La dérive sectaire, qui vont être formées pour aider les familles aussi en prévention. Après, il y a les mesures de répression où là, on peut discuter et où je ne suis pas loin de penser ce que vous avez dit. Mais on ne peut pas limiter le plan du gouvernement à la répression, alors qu'il y a quand même pour la première fois une prévention qui n'est pas du tout mise en place dans les autres pays, qui est propre à la France, qui n'est pas du tout religieuse, qui est sur la dérive sectaire et qui est vraiment de désamorcer l'endoctrinement de gens qui ne connaissent pas l'islam, justement. Hein. Rachid Boudjedra, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je vois ça de l'extérieur, quand même. Je ne suis pas français, je suis algérien, j'ai vécu en Algérie, donc j'ai une autre vision des choses. En fait, bien sûr, c'est des choses qui... Sinon, cette dérive... Moi, je pense que c'est une dérive sectaire. Cet islamisme des jeunes ici, qu'ils soient d'ailleurs d'origine maghrébine, musulmane ou pas. Donc, ce qui, d'abord, ce qui me frappe sur, dans ce discours ou cette réflexion sur, c'est quand même que le djihadisme est sublimé en France par l'État, par les médias. On parle des djihadistes et des rebelles syriens.
qui sont vraiment des gens sublimatoires, sublimés, et de l'autre côté, on voit l'opposé, c'est-à-dire l'État syrien, qui est vraiment un État violent, qui massacre, qui bombarde, ce qui est vrai. Mais aussi les autres sont jamais, on ne connaît leur, on ne parle de leur violence et des massacres qu'ils eux-mêmes aussi que font. Donc les jeunes qui écoutent cela, le fait de sublimer comme ça le djihadisme, on les appelle les rebelles d'ailleurs. Des fois on dit djihadistes syriens. Et puis après... Ça a changé, maintenant on dit plus souvent djihadistes que rebelles. On dit djihadistes, mais longtemps ça a été des rebelles. Et les rebelles face à cet État exécrable, etc. Mais eux sont absolument pas du tout exécrables, ils sont très bien finalement. Au fond, donc j'ai l'impression qu'en France, le discours, moi que j'entends d'Alger, nous semble un peu... décalé et qui va vraiment amener ces gosses qui sont paumés souvent, qui cherchent quelque chose, ceux qui cherchent la secte ou le sectarisme, sont vraiment paumés. Et donc, qu'ils soient d'ailleurs des banlieues ou des quartiers chics, j'imagine, il y a quelque chose. Marek, vous avez parlé, tu as parlé de l'Espagne, c'est un peu ça aussi. Quand il y avait les intellectuels de gauche en France ou ailleurs, en Europe, sont partis aider les Espagnols, la République espagnole. Ben là aussi, ils entendent ça, le pauvre peuple syrien écrasé par son... alors qu'il est écrasé des deux côtés, il faut le dire. Et ça, on ne le dit pas en France. Nous, nous sommes en colère quand on entend un discours qui célèbre quelque part le djihadisme, dont nous avons souffert quand même beaucoup. Voilà. Oui, mais alors il faudrait définir d'abord ce que c'est que le djihadisme. Parce que là, on parle de djihadisme, donc on prend une terminologie, un concept religieux, le djihad. Le djihad, qu'est-ce que c'est? C'est la guerre. Le djihad est développé quand même par les médias français. Oui, hein. Justement, c'est un concept qui n'existait pas. On en a fait un concept banal, fourre-tout, dans lequel, à partir du moment où un musulman se fait sauter sur une place publique ou va en Syrie tuer des innocents, parce qu'ils ne sont pas forcément contre le gouvernement assadien, ils peuvent être aussi contre la population syrienne, qui pour eux sont des mauvais musulmans, et ils vont leur. Dans cette sorte d'émulation du nouveau converti, souvent ce sont des nouveaux convertis. Et ça s'appelle justement, les véridiques, la secte elle s'appelle les véridiques. Et justement, donc facilement brigadés parce que par leur ignorance et leur inculture, on peut leur faire gober n'importe quoi en termes religieux. Donc qu'est-ce que c'est le djihadisme? À partir du moment où on définit la chose comme telle, ça veut dire qu'on leur donne une représentation religieuse, ils sont la représentation, l'émanation de l'islam, alors que finalement ils ne connaissent rien à l'islam. Absolument. Ce sont des pantins qui sont instrumentalisés par des gens, par des gens qui eux savent ce qu'ils font et qui les envoient en Syrie. Le mot djihadisme n'existe pas dans le monde musulman. Mais justement, il existe ici. Il faut savoir de quoi on parle. Non, le concept dont vous parlez, c'est un concept qui a été inventé. Inventé, créé par je ne sais qui, par je ne sais quoi, et que finalement, on voit, moi, objectivement, je vois ça de l'extérieur. Je vois les titres des journaux, je vois de temps en temps la télévision française, des chaînes, et on voit djihadisme, les rebelles, les rebelles et djihadistes, etc. Donc il y a une confusion incroyable à l'intérieur de la pensée occidentale vis-à-vis de ce phénomène. Et les gosses, donc, du coup, sont perdus. Est-ce qu'on fait la guerre simple contre des enfants qu'on vole, on pille, on viole au nom de l'islam? Non, l'islam interdit cela. Absolument. Justement, le djihad a un combat beaucoup plus noble parce que c'est un combat de l'âme, déjà, au quotidien. Et on en a fait quelque chose de complètement barbare. On en a fait quelque chose de complètement barbare et sanguinaire qui sert finalement un islam politique, et même le mot islam, il faudrait le retirer de là, qui sert des dictateurs. Pourquoi? On valide le djihad, on valide comme si c'était un produit de l'islam. Oui, c'est ça le problème. C'est qu'il faut définir les termes. Il faut définir les termes. Pour ça, il faut revenir à l'histoire aussi. Mais alors attendez, on va revenir même au recrutement si vous voulez, mais je voulais donner, d'abord que vous terminiez, je vais donner la parole à William Bourdon et on va voir les... Parce qu'en Syrie, ces djihadistes, si on les appelle comme ça, ce sont des jeunes embrigadés qui vont en Syrie. Déjà, au début, on pensait qu'ils venaient aider les opprimés, donc les Syriens qui avaient fait une révolution contre le gouvernement de Assad, et finalement qui se retournent contre les Syriens parce qu'eux ont une idéologie, c'est l'État islamique d'Irak et du Levant, le Chem. Il y a un moment donné, là on a trois branches qui sont Assad, les djihadistes ou les terroristes et les révolutionnaires, et c'est pas la même chose. Enfin, ils viennent pas aider les opprimés. William Bourdon. Oui, ce qui est intéressant, c'est de se souvenir qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle manifestation du fait terroriste ou présumé terroriste, à chaque fois les démocraties patinent, improvisent, parfois sous la dictature de l'émotion, de l'opinion publique, et toujours sont vouées à l'échec.
C'est-à-dire que ce qu'on entend là montre bien que c'est toujours trop ou pas assez, mais qu'il est toujours difficile pour des gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs à l'échelon de toute l'Europe depuis 20 ou 25 ans, de trouver une adhésion immédiate de l'opinion publique. Alors là, de quoi on parle? On parle d'un phénomène de recrutement extrêmement rapide, qui permet à des jeunes, pas forcément d'ailleurs fanatiques au départ, sur un claquement de souris, de trouver la possibilité de se rendre à la frontière turque et ensuite d'être embrigadé ou pas. Moi, je me souviens des jeunes Français de Guantanamo après 2001, c'était beaucoup plus compliqué. C'était un parcours extrêmement difficile, les réseaux sociaux n'existaient en tous les cas que de façon marginale, il fallait passer par Londres. Donc il y a cette espèce d'immédiateté qui permet à ces jeunes d'arriver sur le théâtre d'opération, le tout dans un contexte sectaire que vous décrivez, et dans une capacité d'un certain nombre d'agents recruteurs, qui sont ces espèces de prédicateurs sur Internet, et qui suscitent cette espèce d'exaltation de ferveur, et qui fait que, moi je peux témoigner du fait, que derrière l'expression djihadiste ou apprenti terroriste, comme parfois ça vient souvent sous la langue de quelques politiciens démagogues, il y a une immense biodiversité et complexité de situation. Et qu'il y a des tas de jeunes qui ne partent pas forcément avec l'idée d'aller côtoyer le diable. Le diable, je veux dire Al-Qaïda. Ils s'y trouvent parfois à leur corps défendant. Ils s'y trouvent quand même. Et ensuite, ils se reviennent en France et ils peuvent être criminalisés d'une façon extrêmement brutale, comme si le fait de côtoyer le diable par une espèce de capillarité, de contagion, provoquait une espèce de présomption de culpabilité. C'est ça l'enjeu. Alors, sur le plan gouvernemental, moi, je rejoins absolument ce que vous avez dit. C'est aussi absurde de le célébrer que de le vouer à l'échec annoncé. Les deux positions, frontalement, s'annulent l'une et l'autre. Chaque fois que le gouvernement a essayé quelque chose ces dernières années, je répète, il a essuyé les critiques et scepticisme. Pour la première fois dans l'histoire... L'échec est difficile à quantifier. L'échec est difficile à quantifier. Parce que la réussite, elle est aussi en creux. Elle est aussi invisible. La loi, elle est efficace aussi dans l'invisibilité des comportements qui sont dissuadés et qui sont rendus impossibles du fait du caractère dissuasif de la loi. Mais pour la première fois, et vous avez entièrement raison, madame, il y a un message préventif qui est envoyé par le ministère de l'Intérieur. Le tout répressif a été l'alpha et l'oméga de l'ensemble des politiques antiterroristes européennes depuis 25 ans. Et pour la première fois, ce gouvernement... Alors, évidemment, vous avez raison, ça va être commode pour ces familles. Il y a des familles qui vont se faire avoir. Évidemment qu'un jeune qui veut partir en Syrie, il ne va pas tout d'un coup se faire pousser la barbe et arrêter de boire de l'alcool pour bien signaler qu'il a décidément de franchir le Rubicon. Évidemment qu'il y a des petits malins qui vont se faufiler. Évidemment qu'il y a des familles qui sont angéliques et naïves. Évidemment que ça va être très compliqué. Mais l'idée d'institutionnaliser des lieux de rencontre entre les familles, les assistantes sociales, des agents administratifs, des institutions sociales, c'est la première fois dans l'histoire de la République qu'on tend la main vers ces familles désemparées, parfois découragées, impuissantes à déchiffrer ce qui se passe dans le parcours de ces gamins. Et je termine là-dessus. Donc j'insiste pour dire que derrière tout cela, il y a des réseaux qui recrutent où ? Dans les territoires abandonnés et perdus de notre République. C'est-à-dire ces viviers de jeunes gens en déshérence, avec sentiments qui se cumulent d'humiliation, d'abandon, de perte de repères, et qui deviennent des espèces de proies faciles pour les agents recruteurs de la toile. Alors attendez, je vous donnerai la parole, mais d'abord pour voir qu'est-ce que la télévision nous a dit de ce recrutement contre lequel le plan gouvernemental veut prendre des mesures. Eh bien voilà, tel qu'il est vu, montré à la télévision en ce moment.